Dans l'Orient Express, c'est de montrer à nos membres que on est toujours un peu en avance, tout en ayant un ancrage dans le passé. On ne renie pas nos origines, mais on veut se projeter dans le futur. Et pour moi, l'Orient Express, c'est totalement ça. Personne ne se lassera de l'Orient Express et on est dans une expérience unique. Donc, pour moi, le club doit être unique. Doit jouer cette convivialité et cette projection sur le futur tout en ayant un ancrage sur le passé. L'histoire d'Agatha Christie, l'histoire de l'Orient Express, c'est vraiment chouette. Et puis je crois que l'idée était très, très bonne de se retrouver ici. C'est un bonheur, c'est magique. Il faut que le club soit à la fois dans la convivialité, dans le partage, et que c'est des moments d'exception aussi, dont les gens doivent se souvenir et qu'on puisse partager ces moments-là tous ensemble, c'est important. Je te souhaite une bonne année, parce que c'est important effectivement de partir sur des bonnes bases pour 2011. Tous ensemble dans l'esprit du club. Ça correspond à la créativité, à la surprise du club et puis à cette bonne ambiance. Vraiment cette bonne ambiance qui anime tous les membres et qui fait qu'on reste année après année fidèle au club avec l'envie de continuer. Non, vraiment, c'est parfaitement. Ça reflète parfaitement ce qu'on y trouve. Ça correspond très bien à l'image du club parce qu'en même temps c'est sérieux, en même temps c'est convivial et en même temps c'est exceptionnel. Donc c'est ce qu'on veut faire au club, c'est-à-dire faire des choses sérieuses, exceptionnelles et conviviales. Un souvenir de gens qui sourient, qui sont contents d'être là et qui vivent un très bon moment ensemble et je trouve que c'est l'essentiel. C'est une créativité qui s'exprime de façon très originale parce qu'à l'ère du digital, monter dans un train qui a un siècle, bravo le club. Merci à toute l'équipe qui nous a si chaleureusement accueillis et merci pour cette belle soirée. L'Orient Express est du rêve. Et quand on est directeur de la communication, si on veut véritablement réussir, il faut avoir du rêve en permanence à l'esprit. Et c'était mon objectif, c'est de permettre à tous ces gens, tous nos amis du club des annonceurs, de pouvoir rêver.